je vous confirme que la France présentera dans les tout prochains jours un projet de résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies qui traduira notre conception, la conception de la France, d'une sortie de crise durable. Je regrette vivement cette position car M. Hegland, secrétaire général adjoint des Nations Unies en responsabilité des affaires humanitaires, estime qu'il faut une trêve de 72 heures pour tout simplement évacuer les blessés, les personnes âgées et les enfants des zones à risque et pour pouvoir réapprovisionner en eau, en médicaments, en urgence chirurgicale, en matériel chirurgical d'urgence, ces zones. Je regrette vivement, mais je vais immédiatement, dès ce matin, plaider auprès des autorités israéliennes pour que cette trêve humanitaire puisse avoir lieu. Au-delà, je regrette vivement que la conférence de Rome n'ait pas permis au niveau international de décider ou au moins d'émettre le vœu d'une cessation immédiate des hostilités.